Bonjour, voici une petite vidéo pour vous aider à vous retrouver avec vos exercices en chimie NYK. Vous voyez sur l'écran, à la gauche, une page qui est tirée du guide de lecture, c'est-à-dire un cahier coop que vous avez été obligé d'acheter au début de la session. Dans ce guide de lecture-là, à la fin, autour des pages 67, 68 ou 69, j'ai malheureusement pas la même version que vous. Vous allez retrouver les plans de session pour chacun des contrôles. Celui qui nous concerne, le contrôle 1, c'est la page que vous voyez présentement à l'écran. Ce guide de session-là, ou ce plan de session, vous indique tous les détails concernant la théorie et les exercices. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons vu ensemble l'historique et la nature. Pardonnez-moi. De la lumière. Et donc, vous savez que nous avons abordé dans le module 2, c'est-à-dire dans le livre qui est présenté juste ici, le module 2, c'est le bleu, nous avons abordé les sections 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.4 sous les angles de l'historique et de la nature de la lumière. Vous pouvez donc aller lire le guide de lecture aux pages correspondantes, 14, 15 et 15 à 17, et faire les exercices correspondants, c'est-à-dire ceux-ci. Ces exercices-là se trouvent à l'intérieur du livre Chimie 2, c'est-à-dire à la fin du livre, et je vous présente juste ici une copie, une image de la page 73 du module 2, la page 73. Ici, vous présente les exercices A1 jusqu'à A29 et les suivantes se retrouvent là aussi. Vous avez les réponses de ces exercices-là à la fin du livre et donc vous pouvez donc faire les exercices et vous corriger. Et donc le processus est le même, sera le même pour toute la session. Vous lirez les sections qui se retrouvent à gauche, ici. Vous irez ensuite faire les exercices qui sont à droite dans le livre de Madame Tournier. Au revoir.